Bonjour, aujourd'hui je vais vous monter une Griffith Knot. Il y a trois matériaux dans la Griffith Knot. Il y a le fil olive, qui est le fil de montage. Je prends un 8-0 pour les fins de cette mouche-là. Pour la démonstration, j'ai pris une hameçon. Vous allez remarquer que l'hameçon elle a le crochet vers le haut, l'œillet. Et j'ai pris un 94-842 numéro 16. Normalement, je monte ça numéro 18, 20. 22. C'est vraiment, ce sont des mouches très petites dans les midges. Donc, je mets mon fil de montage jusqu'à l'arrière. Vous allez voir, c'est une mouche très très simple à monter, mais quand les truites sont difficiles à leurrer, c'est pratique d'avoir cette mouche-là dans notre boîte à mouches. Donc, je vais attacher un petit hackle grizzly. Je l'ai mesuré tout à l'heure. Il fait la bonne dimension. Et je vais attacher deux ou trois fibres de pain. Là, quand on est rendu en avant, on le bloque. On fait un ou deux tours. On va mettre le grizzly. Quand ils sont petits comme ça, là, des fois ça peut être fragile. Tantôt, je l'ai accroché sur l'hameçon. Je suis obligé de reprendre mon tournage. Je vais prendre ma pince à colle quand même. Je vais essayer de voir. Alors, la Griffith Knot, c'est une mouche petite, délicate, deux matériaux. Vraiment pas une mouche difficile à monter. Et vraiment, je vous la recommande, vous l'essayerez. Je vais faire un deuxième nœud. Oups. D'habitude, j'ai pris de faire deux nœuds. Et voilà.